rencontre, partage et travail. Professionnalisme de l'école, encadrement. Évolution, enrichissement et cohésion. Alors pour moi déjà le premier argument c'est la facilité géographique. Autour de l'Institut Gernet-Rieux, il y a le métro, il y a le train avec la station CHR et la possibilité de venir en voiture. On a vraiment toutes les possibilités. Donc ça pour moi c'est un premier argument. Après on a la dimension européenne, avec le projet européen ça permet de pouvoir travailler sur une équipe, sur un projet que l'on aura mené tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de fort. Et le troisième argument, parce qu'il y a une bonne ambiance, on se marre bien, et je trouve que c'est important. Les trois arguments, alors il y a une qualité de l'enseignement, il y a un bon esprit d'équipe et les cadres l'entretiennent, et l'enseignement est assez diversifié avec des formateurs de qualité. L'investissement et l'implication des formateurs, mais également le programme de formation de manière générale. Et pour terminer, le choix du master. Il y a quand même deux choix distincts qui permettent quand même une belle opportunité. Le voyage au Luxembourg. Beaucoup d'amusement, beaucoup de découvertes. Et surtout une clôture d'année sur les chapeaux de roue. Voici les rencontres que j'ai faites durant cette année, qu'elles soient avec les enseignants ou avec les étudiants. Un fait marquant. Alors moi c'est particulier, j'ai une formation particulière parce que je suis issu de la filière sapeur-pompier. Donc j'ai suivi la formation par période, donc l'intégration qui était parfaite aussi bien par les encadrants mais aussi par les collègues de promo. Le voyage au Luxembourg. Et ben, je trouve que ces deux jours ont été, encore une fois, enrichissants, avec toujours cet esprit et cette cohésion d'équipe qui était important, qui n'a fait que renforcer nos liens. Le fait marquant pour moi, c'est mon stage en équipe mobile de gériatrie, où j'ai parti avec un a priori sur la gériatrie très fondé et ça a complètement chamboulé ma vision de la gériatrie et maintenant je trouve que c'est un beau domaine.